C'est quoi les je peux mettre une potion de vie par... C'est toi aussi. Ah mais c'est super. Mais oui, c'est pour ça, je t'ai dit. Et ça, c'est le premier. Après, j'ai une foot qui fait comme la foot de Cyril. Salut Nina. J'ai une armure bleue. Ah oui, des pièges, c'est vrai, qui se déclenchent. Ah mais c'est un weapon. Ah, il y a un puits ici, attendez. Non, ça bon, ben on est revenu, ah ça rend l'endu le plus. Puis ça rend endu vie et manage. Il a tout pris D'accord. Moi j'avais soif. Super. Bah voilà. On doit aller dans l'autre région, là où il y a tes autres. Mais faut continuer là. Ah dans le petit rond à gauche. OK. Let's go. Nouvelle stat. Est-ce que je mets des la mana en plus. Putain, Zedos il est déjà. Le jeu original a pris un sacré coup de vieux, mais là tu vois, c'est la version remasterisée et ça passe bien. Hein. Ah, tu es Blue Draven, on est juste de commencer tout à fait, on vient juste de commencer, on en est à la deuxième quête. Ah, la quête a été mise à jour d'ailleurs, Nat. La quête a été mise à jour, tout à fait. C'est vraiment stylé, franchement, le Lycanthrope là. Ça m'étonne tellement pas que tu joues ça, petit. C'est vrai que c'est stylé. Hein. Oh et Nat, en termes de DA, donc je parle pas l'aspect technique, hein, parce qu'il est évidemment plus beau que Diablo 3 parce que bah, il est plus récent. Mais est-ce que tu préfères l'aspect un peu cartoon de D3 ou l'aspect plus non. Nature Alors, D3 ça va, moi je me souviens surtout de, parce que moi j'ai fait Immortal et je trouvais ça dégueulasse. Immortal, oui. Oui alors ça c'était dégueulasse. Mais... Ok. Non, y'a pas Blue Draven là. Non. Si elle est là, elle est où, je la vois pas. On est en train de la taper avec. C'est... Ah oui, c'est un peu con qu'il n'y ait pas le nom qui apparaît. Ouais. Mais c'est chelou qu'on puisse pas afficher les noms. Après, t'appuies sur G, tu la reconnais bien. Enfin, t'appuies sur. Sur. Oh là. Ah oui, oui. Non, sur quoi? Enfin, sur F5. On la voyait beaucoup mieux, c'est vrai qu'il. Sur F5, en fait, elle se démarque vachement quand elle. En mode les mobs avaient deux couleurs, quoi. C'est quoi cette foudre là? Ils sont stylés? Je sais pas. C'est stylé. Après, Immortal, c'est un jeu mobile. Non, c'est donc une merde. Elle, c'est c'était l'archère de Diablo 1. Voilà. L'archère de Diablo 1, vous devriez. Le Zerog en Diablo 1. Y'a pas. Dans le... y a... Ah, mais alors, le joueur, enfin la classe. Joueur, oui, parce que dans les PNJ, j'ai pas souvenir d'avoir vu. Ok, c'est bon. Je fais mes squelettes, ils font tout à ma place. Ouais. Mais parce que là, dans non, Diablo 1... J'aimais bien le visuel de D3. Mais celui-là, il est cool, ça fait un côté un peu rétro, mais pas trop. Rétro, mais pas trop. Bah, Diablo 4, ça sera ça, encore en plus beau et moins... Le mausolée, c'était optionnel ou il nous demande d'y aller après, c'était optionnel? Bah, on peut aller voir. Logiquement, si on doit rentrer... Ouais, cool. Non, mais parce que là, il faut qu'on aille parler, donc si nous dit d'y retourner après... Retourner voir, ouais. Ouais, on fait un portail à l'intérieur. Si on va faire un portail. Qui fait le portail? Ouais, à l'intérieur, il y en a un. À l'intérieur où? Du mausolée? Dans le mausolée, ouais. C'est que pareil, la map... Immortal n'est pas un jeu, bûcheron. Je refuse de mettre ça au niveau de... C'est un casino... C'est beaucoup de... Il y a Diablo 3 dégueulasse pour le mobile, quoi. Eh oui. Salut Konotaro. Ah, quête terminée. Et l'ours, ça s'appelle le Kodiak. Nous avons affaire à un démon aussi insondable que le Kodiak. Seul des cartes Kane, un sage de l'ordre Oradrim, versé dans les arcanes de la magie et de l'histoire. Ouais, donc je vais pas partir en vocation. Vous devez aller le chercher. Avoir des loups, des corbeaux. Attends, c'est pas elle qu'on doit parler. On a Akara qui file une quête. Hein. La suite d'ailleurs. Salutations. Et vous. Il y a un PNJ qui a réparé là, je cherche. Ouais, celui sur devant qui je suis là, je prépare. C'est très con qu'on ait pas le nom des PNJ. Hein. Votre présence m'est non, ça doit pas être lui. Attends, je le vois pas ton PNJ. T'es où, Lucas? Regarde où je suis. Je suis plus au nord. Ah, hein. Plus au nord. Okay. Ah, ça, c'est parce que tu fais partie de la team de C'était mieux avant. J'avais envie, mais le retour confirmé qu'il fallait pas y jouer. T'avais, oui, Joker. Bonjour, je m'appelle Charcy, je suis forgeron. Ça fait du et bien. Et du de coup, voir engager, c'est quoi? C'est genre, je peux engager quelqu'un? Plusieurs de nos sœurs ont combattu Diablo lorsqu'il a attaqué Tristan. Tu peux engager une rogue, mais je. Elles étaient de véritables guerrières avec des puissants trophées. Leur victoire aura été. Mais de toute façon, la plupart. En fait, c'était un mercenaire qui pouvait stuff et tout comme toi. D'accord. Qui t'aidait. Réparer tout l'équipement. 700 thunes pour réparer tout. Ah oui, parce que c'est ça que ça prend mourir, enfin... Et donc là, j'ai les charmes à garder dans l'inventaire. Ah oui, c'est ça, d'accord. En le gardant dans. Ah oui, donc ça prend de la place, ça ajoute un peu de dégâts, mais c'est insupportable. C'est ça. Oui, c'est quand même un peu relou, quoi, comme truc. Oui, bah, quand ils sont un peu. Quand t'as des trucs un peu nuls, oui, après quand t'en as des. Tu vas en avoir des. Je sais pas,
J'en ai un qui fait plus 1 dégâts max et 10 au score attaque, ça vous intéresse. Là au début c'est pas incroyable, ça sert pas. Après un dégâts, ça fait moi ça me fait 2%, enfin, ça me fait 20%. Ouais mais bon tu déjà. Ouais les couteaux de lancer c'est oui, péter le prix de revanche. Jeter un sort sur les cadavres d'un monstre et explose. Ah c'est bien ça. C'est ça que j'aimais pas dans Diablo 2, c'était les trucs de lancer. Bah ça pouvait être des trucs trop bien mais t'avais un quantité max et après c'était... Mais là, on est d'accord que je suis obligé de tout le temps changer mes sorts et tout pour pouvoir... Comment ça, changer tes sorts Alors, tu peux mettre des raccourcis pour les remettre directement. Actuellement, genre, par exemple, quand tu cliques pour ouvrir un de tes sorts, ouais. Tu mets ta souris sur le sort sur lequel tu veux mettre un raccourci, genre t'appuies sur F1. Et tu verras qu'ensuite, il y aura un petit F1 qui va se mettre au-dessus du sort. Ah oui, j'avais pas vu. Appuyer F1 de F1 à F8. C'est ça. Et ensuite, quand tu feras maintenant F1, ton sort il se mettra directement et ensuite tu as mis un autre sort F2, tu appuies sur F2, il se mettra à l'emplacement que tu as choisi. C'est ton premier nécro Non, c'est pas mon premier nécro, j'avais fait dans D3, j'avais fait la nécromancienne qui était une classe, une nouvelle Nous classe, je crois. C'est une classe supplémentaire. Qui t'arrive avec Reaper of Soul. Ok. Le mausolée. Bah, oui, c'est ça, en gros, tu jettes un raccourci comme ça, Nat. Ah, oui, c'est vrai qu'ils nous ont. Elle nous donne un archer qui nous suit là pendant la quête. Ah, c'est gag. Vous parlez de deux trucs. Alors, je sais pas si tu parles de nécro ou nécromancien ou mécro mercenaire. Merco. Ah, bah, parce qu'en fait, parce qu'en gros, quand t'es appuyé sur Ice, tu parles dans son chat. Bim. Non, vous êtes en squad là. Ouais, squad stream. Ok, go. Si tu clôturais initialiser les talents, ça fait direct qu'il n'y a pas de. Ouais. Fais l'arbre un. Merci. Il n'y a aucune validation, Bouquin, hein. C'est direct. Je vais éviter d'aller vers Arki. Ouais, non, Akara lui parlait pas, c'est un piège à con. Hein. D'accord, vous parlez de mercenaires, d'accord. J'avais pas joué avec des mercenaires. C'est un niveau 12. Ah oui, champ électrostatique ou télékinésie. Utiliser le pouvoir de l'esprit pour ramasser et utiliser les objets. Ça a l'air chiant. Créer un champ électrique qui blesse tous les ennemis proches. Et juste les objets télékinésie. Ah, c'était pour ninja ça. c'est un sort pour ninja. C'est vraiment ça, comment. Ah, j'ai un truc qui débuffe les ennemis. Bon, un peu Osef, c'est Lucas qui prendra cher, Osef. Qui Ouais, moi je peux. Super les gars, content. Content de pouvoir. Ah là, bah ouais. Pas mal, tu vois, c'est genre la meuf qui nous attend quoi, ça me fume. Non mais grave. Non, mais... Go. Bah go. Reprenez le portail de Pookie là, Pookie en dernier. Non, c'est Milo. Ouais, bah Milo en dernier. C'est bon, tout le monde l'a pris. Yes. Mm-hmm. Oh là là, il y a tellement. Non, on est tellement nombreux là. Déjà, là. Oh, c'est la guerre. Oh, c'est grave. Ah la DA est vraiment sympa. Dans les tunnels et tu vois, il y a des tunnels comme dans Diablo 1. Là, on va être là. Mais ça brûle. Par contre, ça me fume qu'on puisse pas surligner les mobs. Je trouve ça tellement. Ça a un manque. Ça fait bizarre. Hein. Mais non, mais dans le remake, en fait, on devrait pouvoir voir leur. Que ce soit pas dans l'original, ça ok, très bien. Mais là, dans le remake, sachant qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont fait des trucs un peu de Quality of Life et tout. Ça me fume qu'ils aient pas pensé qu'on puisse mieux voir les mobs. Alors, en fait. Ça se trouve, faudrait regarder les autres. Non, il y a pas grand chose. Faudrait regarder les autres. Oh là là, c'est plus bon pour faire la diff. Et là train... aussi, il y a des petits. Comment ça s'appelle là, des gnomes avec des pièces qui vont passer. Les gobelins. Des gobelins. Sûrement. Non, je me dis que ça a un peu toujours été là, les gobelins. C'est caché, mais. En fait, on n'arrête pas de dire que c'est Algedo qui se pique la thune, mais jusqu'ici, j'ai que Ice la piqué. Bah, je suis d'accord. Je croyais que t'allais dire, moi. Non, mais alors, la thune, encore une fois, on l'a déjà dit, ça rapporte rien du tout. Hein. Non, mais on est d'accord. Hein. Bah, alors pourquoi tu la ramasses? Laisse-la moi. Ça fait des trucs en trop sur le stream. Pour le coup, ouais, si je dis ça ne tenait qu'à moi. Si je pouvais tout ramasser, non, je suis d'accord avec Pookie. Si je pouvais tout ramasser, enfin, si on pouvait ne plus rien voir à ce sol, je me sentirais mieux aussi. Ah là, on est en pur dungeon crawler par contre là-dedans. Vous avez qu'à explorer et moi je ramasse derrière. Hein. C'est déjà ce que je fais IRL. Ah bon. Peut-être tu fermes les portes. Je ferme les portes, je ramasse les trucs qui traînent. J'ai une dague bleue, Lucas. Une dague bleue, vas-y. Non, non, je sais pas trop quoi.
Enfin, ça, c'est bien la première fois que tu veux pas de die, hein. Je suis étonné. Hein. Mais je suis plus, c'est plus Qatar, moi. Après, c'est peut-être considéré comme un Qatar. Ah oh, putain, j'ai oublié de vider mon inventaire en partant. Ah oh, shit, t'as pas vendu. C'est que du blanc, ça. Oh là, y'a un boss. Il est où le boss? C'est quoi? Ah oui, Corvidé le chasseur. Putain, mais ça me. Ah, Qatar bleu. Ah, un Qatar bleu. Ah, vas-y. Et vas-y, pose ta dague pour voir. Ah, il me l'a ninja la dague. Allez, vas-y, je suis sympa. Je suis sympa. Oh, y'a un coffre. C'est con, c'est. Oh putain. Oh là là. Oh putain. Oh putain. Je vais te ramasser. Ah, j'ai plus de place. Non. Un Qatar. En fait, faut target ce que tu veux. C'est ça, faut bien. Je sais que t'auras pas de. Alors. Ouais, les dagues elles font pas de dégâts. Attendez, parce que j'ai. Comment je fais déjà pour identifier du coup? Je prends un. Tu fais clic droit sur ton bouquin d'identification et tu le. Mets sur le truc que tu veux identifier. T'as okay. Tellement pas de place dans l'inventaire, ça me fume. Voilà. Ah, ça va, ils ont pensé au mâche clic gauche pour mettre les trucs dans la ceinture. C'est comme dans le 1. Ok. Sauvé. Ouf. Sinon ça aurait été horrible. Ah ouais, non, ça c'est. Et là c'est défense 13, mais sinon, celui-là il est bleu. Bah ouais, c'était bien. Il est où? Mais pour voir mon lierre dans les. Attends, j'ai imagine que quand tu seras full charme. Ouais. On peut déjà se casser? Attends, ça va aider la quête? Ouais, non, mais c'était pas une quête là, c'était juste un truc. Ah, ah oui, ok. Emprunter le passage souterrain vers le bois obscur, oui, ça c'est après la quête, ok. T'as un boss en coffre. Et le coffre de. Putain, mais y'a plein de trucs à ramasser là. Oh, il y a une caisse auprès de Kashia. J'ai peine à croire que vous ayez vaincu Bloodraven. Elle fume. C'est bien avec le lierre, avec le poison, c'est que ça les met en vert et on les voit tous bien. Ah, tu vois bien les meubles, ouais. Vous avez gagné mon estime. C'est pour ça que moi je prends la rage après. Vous êtes reparti par le portail, c'est ça là? Non, on est reparti par l'entrée. Ah bon, vrai, moi j'ai pris le portail. Hein. Pourquoi vous êtes reparti? Vous pouvez prendre le portail. Oui. Ouais. Ah, vous avez pris un portail? T'as fait un portail? J'ai fait un portail, quoi, ouais. Ah, je voulais vendre. Ouais, c'est. C'est le passage souterrain vers le bois parce que... Ah, faut trouver le passage souterrain. Ah, là, là. Attendez, faut que je vende. Notre ordre vous souhaite la bienvenue. Ah, contrôle clic gauche pour vendre. Ça, ça, ils y ont pensé aussi. Hein. Ça, c'est cool. Ah, yes. C'est quoi les potions fulminantes? Je sais pas, je vends. Tu peux lancer des potions un peu... T'es les bombes dans Dark Souls, Et les clés, ça sert à quoi? Ouvrir les clés, c'est pour ouvrir les coffres verrouillés. Genre là, le. Ça se trouve, il était. Ah, je sais pas si il était verrouillé le coffre que j'ai. Il y a un autre mausolée. Ouais, alors vous allez pas tous les faire. Potion de rajeunissement, c'est ça qu'il faut que je prenne, c'est ça? Potion de rajeunissement, ouais, ça c'est ce qu'il faut que tu spammes hier, là. Oh, mais c'est bon. Ça n'arrête pas. Personnellement, je vends Nat, blague à part, pour juste avoir de la place. Hein. Ah, coffre verrouillé. Hein. Et donc le jeu est très cool pour l'instant que Notaro, bah on voit qu'il a 20. En fait on voit qu'il a 20 ans sur son fonctionnement, mais c'est vrai que le. L'aspect gravité. C'est quoi le raccourci pour vider plus rapidement ton inventaire là? Contrôle clic gauche. Contrôle gauche. Au cas où c'est marqué quand tu. Regarde, quand tu fais vente, quand tu mets ta souris sur n'importe quoi dans ton inventaire. Ah oui c'est vrai. Ils te le mettent. Je vous le dis, j'ai déjà 4 items rares sur moi. Très bien. Item rare c'est quoi? C'est le bleu? C'est chaud. Ah bon? Ah ouais, mais ah t'es vraiment un connard. Bah, je suis putain, il a ninja. T'es désolé toi de péter tous les deux. Bah non, vous me suivez pas là. Alors, je rappelle, qu'est-ce que tu as dit hier? Tu as dit. Bah, ah, j'avoue. Portail, là. On se suit, faut pas qu'il y en ait un qui soit en mode solo du ghetto. Ça, c'est ton expression. C'est exactement ce que alors, après, tu as dit regarde, hier. Quand je vais passer à des trucs un peu mieux, bah, je vous filerai. Ouais, c'est oh, ça. Oh, grand prince. Et c'est Macron. Fait, ce que je dis parce que c'est je Macron avec le ruissellement, là. T'as que les riches d'abord et ensuite il laisse les miettes au prolo, quoi. C'est ça, ouais. Il a dit, faut pas qu'on s'éparpille. T'as même mon chat était moins pardon. Ouais. Exactement, il a dit faut pas qu'on s'éparpille, ok, mais faut pas qu'on s'éparpille. Vous avez ninja les rares sous votre nez. Hein, aïe aïe aïe. Sacré poukpouk. Bon, il est où le portail? On peut déjà aller gamble là, ouais. Ouais, ouais, mais ça coûte un peu cher. Qu'est-ce qu'il vous faut? Parier, c'est combien? Ah, je viens de parier. Attendez, lance le dialogue du. Ah, 50 000. Ah oui, 63 000. C'est ça, grand prince, je filerai mon stop de merde. C'est un peu comme quand t'es dans une fratrie. Et que du coup tu récupères les fringues de ton grand frère ou de ta grande sœur.
Tiens, pour les pros druides Diablo 2, ça se joue à la deux mains ou à la... une main bouclier? Bien le bonjour, partenaire. Je suis guide. Je sais pas si je dois avoir peur pour ma vie. Je serai votre meilleur ami dans ouais, non, et peur pas. Pour ta vie parce qu'on va venir te chercher. Je t'en rappelle que t'es chez moi dans un mois. On peut faire du PVP hein, dans Diablo 2. On va le faire IRL le PVP. Tu vois, IRL le PVP quand tu vas dormir dans ton plaid. Eh vas-y, on va récupérer tes oreilles, Matt. Eh oui, c'est ça, on peut récupérer les oreilles. On peut récupérer les oreilles. Ah, ouais. Ouais, c'est le trophée. Et t'as les noms, t'as oreilles de machin. En fait. Ça, tu peux collectionner. Et Niben t'a répondu, Pookie, grosse passe à demain. Ah, merci. Ouais, et du coup, on est bon là. J'ai un peu peur qu'on me laisse tanker. Moi, j'ai pas le. Attendez. Il est où mon portail, putain? Allez, ça, là. C'est tu te venges parce que t'as pas pu prendre le nécro, c'est ça hein. Bah, est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre mon portail? J'en ai pas besoin. Ah, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. On écoute la madame, là. Est-ce que tu veux prendre le portail? Bah, c'est à toi de savoir ce qu'on fait. Moi? On va emprunter le passage souterrain vers le bois, parce que on va faire avec ça. Et bah, prenez le portail, parce que moi, ensuite, je le prends, et quand je le prends, il se fermera. Ah, le... Ouais, le... Parce que j'ai toujours pas pris. Je sais pas comment Lucas il a le TP. On est parti sur vous, vous êtes pas allé. Vous l'avez passé à côté. Vous l'avez pas activé le TP? Ah, j'ai dû oublier. Oh là 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 là, ils ont pas cliqué sur le TP. Mais attendez, vous êtes où là? Comment ça, on est où? On est dans le. On a pris... Ah, mais t'as pas pris le portail? Bah si, je l'ai pris. T'es avec nous alors. Ah oui, je te vois, ça a été superposé avec d'autres trucs. Non, mais parce que je l'ai pris et puis je voyais pas, donc je l'ai repris, je suis repassé. Comment ça, tu l'as repris? Mais Azedos, il est où? Moi, c'est bon, je suis au bon endroit, je vous attends. Je fais rien, juste j'ai trouvé le bon endroit, je vous attends. À vous ok, de... donc là, il loot comme un ouf. Non, j'attends devant la. On sortait d'ici là. Enfin, le bon endroit, je suis sur la suite. C'est pas par là, c'est un mur. Ah non, mais là, faut en sortir. Ouais, je me suis un peu perdu sur le chemin. Tout va bien. Et ouais, bah j'ai hésité en fait, je regardais un peu Paladin en fait, ça m'a cassé les couilles. Barbare, ça avait l'air cool, mais c'est vrai que ça me manquait un peu de jouer une classe magique. Je joue bon, comme dans un peu dans la MMO, hein, je joue toujours tanké mage. Alors, il n'y a pas vraiment de tanking dans le sens, il n'y a pas de notion d'aggro. Par contre, tu peux effectivement faire un personnage très résistant, quoi. Mais j'aime beaucoup les sorciers et comme là, il y a une spé foudre, bah, let's go. Ah, vous êtes là-bas. Attends, mais il est là. Ah non, là-bas, c'est niveau. On cherche Azedos. Il est au nord. On joue à cache-cache. Mais donc ça c'est un puits, c'est pas le portail. Attends, il est où le waypoint? Le portail, il était au début de la région. Attends, je t'emmène. Emmène-le. Nathan on les attend ici. Ah, je le vois, c'est bon, c'est bon. Je le vois. Ah, il le voit. C'est de la merde. Je le vois. Et donc ouais, on passe sorcière foudre, ça va être cool. Il y a un chemin là, bah voilà, il y a une grotte là, une grotte niveau 1. Je fais pas la grotte niveau. Pookie doit être perturbé là, t'as tout clé, hein. Ça va être dur. Ah, c'est vrai que les trucs optionnels. Après, vous allez pas avoir de rare. Hein. Non, mais c'est le rare, tu vas le changer dans 5 minutes parce que tu vas trouver un truc plus haut niveau. Là. Calme-toi. Il y aura 4 d'armure et ça et des 4 premiers runs en sorcière aussi. Je pense pas parce que des 4, il y a une dimension online, coop. Donc il y a moyen que je prenne un barbare. Mais en vrai, rien n'est joué. Bah, les SP, ce sera rien à voir. Hein. Ça sera barbare ou sorcière, ça c'est sûr. De toute façon, il n'y a pas paladin, si. C'est quoi les classes de D4 pour l'instant? Voleur, sorcier, barbare, druide et ouais. Nécro. Non, nécro. Si il y a nécro, ouais, c'est confirmé, je sais plus. Ouais, classes pour l'instant. On a vu une cinématique nécro. Ah bah peut-être 6 classes. Ah, Nathalie Lutou. Salut Vache à Tempête. Bah ouais, je lui trouve un peu de bâtard. Donc c'est sûr que ça sera barbare ou sorcier. Ça c'est, je te le confirme à 100%. Lequel des deux? Des books. Et on a commencé à bosser avec Alar Alex hier pour donc la LAN. Donc ouais, je vous en parle vite fait quand même, Lucas, Nat et Pookie. Ça concerne aussi Damien, Pierre, etc. En gros, on va faire un truc. Je pourrais récupérer, même si toi est en live, je vais récupérer vos flux. Et en gros, si on est bel et bien entre 6 et 8, donc il y aura genre des équipes de 3 ou. Et du coup, on pourra surveiller ce que vous faites et voir effectivement qui mine déjà tout. Alors, il y aura ce cure, effectivement, pour le coup, qui aura tous les flux en affiché en fait sur un écran. En fait, en mode code. J'ai une régie en fait. En gros, par exemple, j'aurai une scène où il y aura toute mon équipe. En fait, en gros, il y aura une scène. Les flux vidéo. C'est ça, les flux vidéo, ouais. Ouais, qui allait traquer tout ce qu'on avait vu.
Et non. Il y aura les flux vidéo, mais par exemple, admettons qu'on est sur un, il y a un des groupes qui est sur un truc cool, ou il se passe quelque chose particulièrement cool chez, chez toi, chez Nat, chez Damien, chez je ne sais qui, peu importe. Et voilà. Ben, c'est ça qui pourra tout de suite en fait être présent à l'écran. Merci pour le follow, super canard. J'ai défoncé. Oh putain, je suis mort aussi. Merde. 4200. On est pas bon. Ah bah oui, non, c'était l'ordre. C'est passé quoi là? Ah, c'était un canichou. C'était, bah c'est toujours, hein, il est toujours en vie. Hein. Mais what? C'est un boss. C'est un il se fait tanker par les squelettes, c'est bon. Le petit bleu là, Nathan. Il est mis en midlife. Enculé. Évite les éclairs. Hein. Ah, c'est bon. Ah, t'es préservé, c'est pour toi. Merde, je me suis fait souiller la gueule, j'ai plus que 10 de thunes. Y'a un ad par terre, regarde. Et j'ai perdu toute ma thune. En fait, j'ai trouvé 4200 d'or par terre. Bah oui, je crois que c'est à moi ça. Mais attends, Pookie, tu m'as piqué ma thune. Ah, mais oui, c'est vrai, quand on meurt, on loot tout, on perd son pognon. Et Pookie, tu m'as piqué mes 4000 de thunes. Je peux te les rendre, je peux là. Non, mais fallait pas mourir. Hein. Putain, t'avais 4200. Non, mais le mec, il accumule le pognon là, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ça est super quoi. Moi, j'ai 4300. Ah bah bravo, non ah bah mais voilà. Super. Et après ils se plaignent qu'on ramasse. Non mais. Non, mais vas-y, moi je me casse, allez. C'est quoi ça, une tête réservée? Tu l'identifies et c'est un truc de nécro. Tu peux c'est un main gauche. En mode vaudou là. Terrible. Ah oui, je me souviens. Ça va te faire des pouvoirs. Ah, il y a quelqu'un qui a utilisé deux portails. Ah, ça c'est Nat. Je n'ai pas encore fait de portail. Pourquoi j'ai un arc en main? Pourquoi j'ai plus mon arme? Et pourquoi j'ai plus mes armes? Mes armes ont disparu. Viens récupérer ton cadavre. Viens récupérer ton cadavre. J'essaie de venir vers vous. Tu vois Dark Soul, tu connais Dark Soul. Attends, je peux pas utiliser de ça. Tu vois par exemple là, ton truc, tu fais plus 1, c'est comme si t'avais mis un point en plus dans le. Mais je vais crever encore, putain. J'ai plus d'armes. Ah bah je vais mourir. En plus de tout le reste. Oh non, mais quel enfer. Attends, mais t'as besoin de. Moi j'ai une barre. Alors retourne, au pire, tu retournes à la base et tu prends le portail de Nath. Et une lance. Ça tu fais plus de dégâts là sans l'arme, c'est l'enfer. Ah ouais. Non mais ce que tu fais la prochaine fois si on est pas mort, c'est que t'attends qu'on te fasse un TP et... Ouais. Quel enfer. Mais comment t'as fait pour mourir? Mais il est nul. Il est allé au cac de Rakanichou et Rakanichou dès qu'on le tape ça fait des éclairs autour de lui. Ça et comme il savait pas c'était quels étaient ses éclairs et quels étaient les éclairs du boss. Quel enfer de... Cadavre de Mido, alors attends, il se passe quoi avec mon cadavre? J'ai peut-être pas mettre des... Ah oui, ah, on perd son stuff quand on meurt? Eh ouais. Et non. Tu vois Dark Soul? Voilà. C'est pire que Dark Soul. On perd pas son stuff quand on meurt. Si Dark Soul. T'as plus de stuff. C'est Dark and Darker, mais mais on perd son stuff quand on meurt, mais quelle infamie. Ah bah Guide Good, hein, qu'est-ce que... Mais il y a dû avoir des gens d'un sel... Mais Dark Soul, c'est un jeu de casu, hein. Ah mais il y avait pas un truc comme... Ah, le sel qu'il y a dû avoir à l'époque. Si tu remous... Ouais, peut-être. Oh, peut-être non, c'est ça, le mieux c'est fallait quitter la guerre. Fallait se déco, ouais, c'est ça. Comme ça, ton. Alors que ça. Bah, la map elle redevenait blanche, quoi. Ne reprends pas ton portail, Nat, hein. De quoi? Mais au moins t'avais ton cadavre. Ah oui, d'accord. En fait, si vous faites un portail, comme ça je peux le prendre depuis la ville, quoi. Salut. Et ça. Mais quelle infamie. C'est pour ça que ça c'est un peu débile dans le jeu. C'est que par exemple, là il y avait un mec niveau 99 qui pouvait venir, il nous ouvrait tous les portails de tous les actes. Ouais. Et voilà. C'est un peu. Quel oui, ça c'était le famille. PL comme d'hab. Oui, il y a des trucs pour récupérer le stuff si tu galères. Non, mais ça, mais c'est juste que. C'est, ça me fume. Ah, c'est ça, on est d'accord qu'on perdait complètement son stuff. Ah, mais il y a plein d'or ici. On mourrait deux fois. Je sais pas si tu le perdais complètement. Pareil. J'ai pas souvenir que c'était aussi hardcore. J'ai pas souvenir, peut-être, hein, mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà crisé parce que j'ai pas souvenir. Je me rappelais d'avoir. Non, peut-être ton stuff il était TP avec ton niveau de cadavre. Ouais. Je pense qu'il devait y avoir un truc genre. Mais il me semble qu'il y a plusieurs fois où j'ai réagi, où j'arrivais plus bas à récupérer le cadavre. Voilà, et donc je pense que tu aurais réagi si tu avais perdu tous tes jaunes. Oui, je pense que j'aurais arrêté le jeu. C'est ça. On va peut-être commencer à devoir mettre des points de vie. Ouais. Ouais. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ouais, ça commence à faire tâche. Ouais, les meubles là ils tapotent. Hein. Ah, les cacs, allez-y, bon, je regarde. Hein. Tu vois, cacs. Ah, bah moi je suis pas ok. Je suis comme les cacs. Je vais jouer que les pièges. Tu vois. On va faire tanker les squelettes de Nat là. Ouais, je vais peut-être garder un bouclier. Il y a le portail en haut. Le waypoint, tu l'as activé. Le waypoint. Ah, nice. Ah, oui, ça c'est bien ça là. Bien vu. Faut qu'on l'active tout grottes. Ça. Passage vers le, vers le passage souterrain. Nat. Ouais, je suis derrière. T'as pris le waypoint? Il y a pas une petite baraque? Tu vas aller voir la baraque. T'as pris le waypoint ou pas, Nat? Attends, il y a Pookie qui veut explorer un peu. Il y a rien. Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a une vache, on peut traire la vache. Attends, viens, Nat, viens sur moi. Ouais. Là où je suis. Y'a rien à faire avec les totems là. Ça, c'est un waypoint. C'est plus tard le truc avec les totems.
Et j'ai juste à, voilà, c'est tout. Bah c'est tout, ça le débloque. Ah, j'ai pas celui des plaines gelées du coup. Ah bah bravo. Mais c'est marrant quand je passe en après c'est pas grave quand t'as j'ai l'impression d'être tellement plus rapide mais c'est moins grave quand t'as celui-là. Oui, oui, effectivement la marche elle a l'air d'être plus rapide. Ouais. Du coup, on rentre dans la grotte. Allez, vers le passage souterrain, c'est la quête hein. C'est marqué dans la quête. Empruntez le passage souterrain vers le bois obscur et trouvez l'arbre d'Inifus et prenez le parchemin. Cœur de santé.